Bonjour, bonjour. Voilà, moi c'est tout rouge, mais à l'état civil, connaît Adama. Mais c'est tout rouge que les gens connaissent plus, quoi. D'abord, j'étais un fanatique d'Arafat d'abord. Voilà, il faut être clair. Hein. Depuis le lycée et même l'université, mes amis et avec qui j'ai fait les bancs, ils en savent plus. Et c'est quand ils m'ont vu travailler avec Arafat, ils m'ont dit waouh, tellement tu l'aimais ce gars-là, jusqu'à tu as fini par travailler avec lui, tu vois. Donc, à la base, d'abord, je suis un fanatique de DJ Arafat. Tu vois. Et Dieu a fait qu'il ait commencé à travailler avec lui comme son garde-corps. Voilà un peu. J'ai rencontré DJ Arafat à Angers. Il y a un bar là-bas qu'on appelle la Ferrari, le du matin. Voilà. J'avais commencé à travailler là-bas et Arafat venait là-bas très souvent. Et après, il a regardé ma manière de travailler en fait. Il a dit, il dit à mon boss, hein, il dit ce gars-là, je le veux pour travailler avec moi. Donc mon boss m'appelle, il dit, ah bah viens, Rouge, viens. Voilà, dit Arafat, il dit, ah le boss, je le connais. Il dit, voilà, il dit, il veut travailler avec toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, mets-toi à sa disposition, mais t'inquiète pas, ton salaire d'ici là, même si vous partez en Australie, tu viens, ton salaire d'ici est toujours là, t'inquiète pas. Voilà comment j'ai commencé à travailler avec DJ Arafat. J'étais fan d'Arafat à la base, avant de commencer à travailler avec lui. Voilà pourquoi quand je travaillais avec lui, j'étais franc, sincère, déterminé. Parce que je travaillais avec quelqu'un que j'aimais déjà. Quand c'est comme ça, ça va facilement. Ouais, mon premier jeu, en même temps, là, il a pris mon numéro. Moi, j'étais content en même temps. Et là, moi, je prends son numéro en même temps. Et tu sais que Arafat, il sortait beaucoup le nez pour faire la promo. Parce que lui, il ne s'assoit pas. Hein. Tu sais qu'Arafat, c'est. Les gens ne connaissent pas Arafat, en fait. Arafat n'est pas venu Arafat. Il n'est pas devenu Arafat au hasard. C'était un grand bosseur. Arafat, il fait un son aujourd'hui. Et le son, là, il va faire la promo du son. C'est-à-dire que pratiquement chaque nuit, on était dehors. Tu vois? Chaque nuit, on était dehors pour faire la promo de ce son, pour faire écouter les gens, écouter la vie des gens. Est-ce que le son est bon? Si c'est pas bon, est-ce qu'il faut améliorer? Quand tout le monde est satisfait maintenant, il lance le son. Il ne fait pas un son et puis il lance en même temps un autre. Quand il fait un son comme ça, là, on se promène un peu dans les coins chauds d'Abidjan là, pour montrer, faire écouter au public s'il y a un bon retour. Il en s'il n'y a pas un bon retour, il essaie de voir s'il faut aménager un peu et puis faire sortir. Donc voilà, après notre présentation, la nuit qui a suivi en même temps, on était en tas d'aller hein, pour faire la promo des sons et puis bon voilà. Non, je ne pourrais pas vous dire, exactement combien il me payait. En tout cas, il me donnait l'argent. Voilà, pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'est quelqu'un qui a grand cœur. Moi, il a été son garde-corps. Je vois ce qu'il faisait. Je peux être là aujourd'hui en train de citer tous les bienfaits qu'il a fait aux gens. Ça, on ne va pas quitter ici. On ne pourra jamais quitter ici. Donc, imagine moi-même qui travaille pour lui, c'est normal qu'il me mette bien. Donc, voilà, souffrez qu'il ne dise pas le montant, mais en tout cas, il me donnait l'argent. C'est bien fait. un exemple tout court. Hein. Tu vois, chaque jeudi soir comme ça, quand on sortait, et vendredi avant d'entrer, il y a une grande mosquée, non loin de chez lui, là. Ceux qui connaissent Angers, groupement 4000, là. Il y a une grande mosquée avant d'arriver chez lui. Et quand il arrive là comme ça, peu importe la somme qui est dans sa poche. J'ai dit bien, peu importe hein, la somme qui est dans sa poche, c'est 500 000, c'est 300 000, c'est 600 000. Les mendiants, peut-être que vous n'aurez pas la chance d'aller vers eux pour leur demander qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Ils vous diront, chaque vendredi comme ça, avant d'entrer là, quand on finit ce qu'on doit faire là, en rentrant à la maison, les mendiants, les enfants, les jumeaux qui sont assis devant la mosquée là, tout l'argent qui est dans sa poche, les distribue tout à ces gens-là. Je vous dis tout. Et nous, quand on arrive, ah, Rouge, parce qu'il nous payait chaque jour quand on sortait, il me dit, ah, Rouge. Il dit, ah, boss, j'ai vu ce que tu as fait, tu n'as même pas besoin de parler.
tu as mis les gens bien, en tout cas, tu as fait plaisir aux gens qui auront mangé avec leurs familles. Tu vois, peut-être qu'ils avaient les petits besoins, ils n'avaient pas d'argent. Ce que tu as fait matin, c'est une bénédiction. Dieu va toujours nous bénir dans nos courses. Alors, ne pouvait pas tomber. Il ne pouvait pas. En tout cas, tout ce qui est bien, bien, là, il y a une cité, on ne va pas quitter ici. Ça, c'est déjà bon. Si tu veux encore, il y a une cité. Si tu veux, il y a une cité, on ne va pas quitter ici. Ah. Arafat, c'est quelqu'un, il faut l'approcher pour le connaître. Voilà. Je le dis où il faut, hein. Il faut l'approcher pour le connaître. Mais si tu t'arrêtes de l'autre côté là, et puis tu veux le juger, tu seras dans le faux. Vous savez, couper, décaler, c'est un game. C'est un game, tu vois. Et lui, si je peux me permettre de parler ainsi, il faisait un peu le couper, décaler, genre ce que les Américains faisaient au temps des Tupac, tu vois, les clashs. Et quand c'est comme ça, les gens parlent toujours de vous. Tu vois, quand c'est comme ça, votre musique aussi, hein, les gens parlent, les gens vont vous suivre, tu vois. Parce que les gens aiment ça. Et les gens aiment le buzz. Donc, il fallait toujours créer le buzz. Voilà, sinon, à la fin, c'était... Il s'appelle Ange Didier. C'est Ange qu'ils ont mis là, que ses parents ont mis là. Ça agit parce que c'était un ange. Tu vois. Mais quand tu vois ces mouvements sur les réseaux sociaux, tu auras l'impression que lui là, c'est l'homme le plus mauvais de la terre. Mais je te dis, fais 5 minutes seulement avec Arafat. Peut-être que vous-même, vous avez eu la chance de le connaître. Fais 5 minutes seulement avec lui. Vous verrez que ce n'est pas l'homme que vous voyez sur les réseaux sociaux, que les gens qualifient de bad boy, etc. Non, 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 non. Je ne dis pas qu'il était parfait, hein. Mais en tout cas, il était bon. Ouais, il était bon. Je me rappelle, il y a une année, j'avais perdu mon oncle, le petit frère, mon père. Et il a dit, ah Didier, voilà ce qui est arrivé. Il dit, hey. Ah. Il dit, malheureusement, il ne peut pas t'accompagner là-bas, parce que ce n'était pas Abidjan. C'est à Bengourou, tu vois. Il dit, malheureusement, je ne peux pas t'accompagner, mais je suis avec toi. Et Dieu seul sait ce qu'il a fait pour moi pendant cette période-là. Dieu seul sait. Tu vois, donc là aussi, ça... Il y en a trop, on ne peut pas citer. Voilà, il y en a trop. Un mauvais moment. C'était un 25 décembre. Hein? Un 25 décembre, on était quittés. Il y a une boîte quelque part là qu'on appelait le haut niveau en ce temps. On avait quitté la boîte et arrivé vers le pont Soro. Il a fait un accident de voiture. Et là, c'était l'accident de voiture. Et vraiment, j'ai eu peur. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de blessés. Seulement que sa voiture était très gâtée. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Et là, voilà, ça c'est un mauvais moment pour moi. Parce que je le veux, tu sais que quand il y a un garde-corps, ton VIP là, si tu es vraiment un bon garde-corps, ton VIP, quand quelque chose arrive comme ça, tu te dis que tu te culpabilises en fait. Peut-être que tu n'as pas bien fait ton travail, tu vois. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, tout s'est bien passé, bon voilà, Dieu merci. D'abord, là, sa mort était annoncée, paix à son âme, si je peux le dire ainsi. Sa mort était annoncée pendant que moi, je me trouvais à l'hôpital là-bas. Voilà. Je me trouvais à l'hôpital où il avait été hospitalisé. Donc, tout s'est passé sous mes pieds, en fait. Voilà. Non, au moment de son accident, je n'étais pas là. Voilà, parce que si je me rappelle bien, c'était un tabaski. Et lui, il me connaît, quand on dit mois de carême, il me retire de tout. Et celui-là, j'ai fait pleinement. J'ai vu pleinement mon jeûne. Parce que moi, je suis musulman, tu vois. Voilà. J'ai vu pleinement mon jeûne. Pareil aussi, quand on dit tabaski comme ça, je suis à la maison, je profite avec ma famille, tu vois. Voilà. Donc, le jour de l'accident, je n'étais pas là. Quand j'ai appris que Didier avait fait un accident, tu sais. C'est bizarre, hein, mais je vous le dis. Hein. Didier, il a mis, Arafat, il a mis dans notre cœur que lui, là, il ne peut pas mourir maintenant. Là. Tu vois? Et je t'assure que moi aussi, là, je croyais en cela.
Je croyais en ça. Il me disait que Didier ne peut pas mourir maintenant. Vous savez pourquoi? Tu connais le nombre d'accidents qu'il a traversé. Tu connais le nombre de coups qu'il a pris. Et puis il a toujours montré que lui là, son moral là, c'est un moral d'acier. Personne ne peut l'atteindre. Tu vois? Donc nous comme ça là, qui étaient proches de lui là, qui avons été proches de lui, pardon, on voyait en lui quelqu'un qui est, tu vois, lui-même il disait 100 ans de protection, c'est-à-dire 100 ans sur la terre. Lui il est là, il n'y a pas de mouvement. Donc nous tous en croyant, c'est là. Donc quand on m'a appelé pour me dire qu'il a fait un accident, il était, je ne sais pas, 22h, je ne sais pas, en tout cas il faisait un peu tard. Il dit, ah, il va se lever, lui là. Et c'est comme ça, il est, c'est un robot, il n'y a pas de mouvement, il va se lever. À 2h, 3h, 4h, je me réveille, je vois plein d'appels comme ça. Ah, je vois que c'est sérieux, cette fois-là c'est sérieux. Donc automatiquement, j'appelle Bakary, son mécanicien, Bakary, mon mécano. Il dit, mais il n'y a qu'un mouvement. Après, Didier là, c'est comment? Il dit, ah, cette fois-là, c'est pas bon. Lui, il te dit que cette fois-ci, c'est pas bon. Ça veut dire que ces chocs passés là, il nous a montré que lui là, il n'y a pas un moment. Dès qu'il y a un choc là même, là, lui-même, il n'y a pas un moment. Rien ne peut l'arriver. Quand il me dit que cette fois-ci, c'est pas bon là, ah, il ne pouvait pas rester à la maison encore. C'est là, j'ai pris ma voiture, paf. Je suis parti à l'hôpital. Là. Et on est resté là-bas, les docteurs. Tu demandes, non, ça va, il est en réanimation. C'est que si ça va. Donc, bon, jusqu'à ce que. On annonce officiellement qu'il n'est plus, voilà. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. En ce sens que c'est une personne que tu estimes. C'est une personne que tu as toujours aimé et c'est une personne que tu as... C'est une personne que tu as aimé comme... Je sais pas comment je vais dire. Une personne que tu as super, superbement aimé, tu vois. Et là, on te dit comme ça que ce gars-là, c'est fini, tu vois. Là, en tant qu'homme, tu es obligé. Parce que je t'assure que sur les champs, là, il y avait plein de filles, plein de ses connaissances qui étaient là. Et les filles qui pleuraient, qui... En fait, il fallait vraiment être fort. Parce que nous, maintenant, nous, l'un des départ pour nous de pleurer en ce moment-là, l'un était de, comment on va dire, d'empêcher ces gens-là de pleurer ou de tomber ou de commettre tu vois, des délits. Donc, là était pour nous hein, d'apaiser ceux qui étaient là. Non, ne faites pas ça, calmez-vous, c'est Dieu, tu vois. Et c'est ça qu'on a fait toute la journée. Pendant que nous, on a, tu as mal, mais ton mal là, tu camoufles ça pour pouvoir, comment vous dire ça, encourager ou remonter le moral à ceux qui sont là. Il faut montrer que toi, tu es Dieu en fait. C'est vrai, tu es Dieu, mais Dieu seul sait ce qui se passe ici. Mmh. Oui, persécuté, on peut le dire, parce que mine de rien, c'était l'artiste, c'est pas moi qui ai dit, c'est les blancs qui ont dit, c'était l'artiste le plus influent de l'Afrique, avec deux fois Koura. Donc, c'est normal que les gens veulent ta place, mais ils veulent, elle, où, ils veulent être où toi tu es là. C'est normal qu'il aura des jalousies, des pics par-ci, par-là, ben voilà. Ben, comme je vous ai dit, là, lui là, son moral là, on l'appelait moral d'acier. Tu ne peux pas l'atteindre même. Voilà, c'est un peu ça. Après ça aussi, c'est le game, c'est le coupé décalé, tu vois. Chacun veut être le numéro 1. Donc, forcé, il y avait des jalousies, il y avait des pics par-ci, par-là, mais c'est Didier, on ne peut pas l'atteindre. C'est vrai, ça finit pas. Quand on égale quoi au protocole, là, c'est la bouche, c'est l'oreille de l'artiste. Toutes les façons, il va te dire. Mais quand il y a un garde-corps aussi, là, il faut savoir si t'es. C'est pas tout, il y a les secrets, tu vas avec ça dans ta tombe. Tu vas jamais dévoiler ça ici.
Donc laisse ça, que je garde ça pour moi. Voilà. Non, je ne peux pas citer de nom, s'il te plaît. Après la voix de Didier, ah mon cher, on est là. On suivit. Voilà, on suivit parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Tant que Dieu est là, on n'a pas peur. On essaie de survivre. Sûrement que ce que j'ai pas aimé, et à sa mort, il y avait eu plein de promesses, tu vois, voilà, t'inquiète pas, on va t'aider. On va trouver du boulot pour toi. On va t'aider. Et il a même dit, tu sais, dans ces derniers moments, il me disait, il y a un ministre qui veut te prendre. Là, c'est aujourd'hui, je vous dis ça, je ne dis pas ça à quelqu'un. Il m'a dit, il y a un ministre qui veut te prendre. Mais il ne faut pas accepter. Hein. Je ne sais pas ce qu'est un ministre. Il m'a dit, il y a un ministre qui veut te prendre, mais il ne faut pas accepter. Hein. Tu sais qu'on est dans le futur. Voilà, maintenant, ce n'est pas les voyages en Afrique. Hein. Maintenant, c'est les voyages en Europe, partout, hein, aux États-Unis, en partie. Donc là, reste avec moi. Il y a un ministre qui a te contacté, il ne faut pas partir. Hein. Il dit, non, tu connais que moi, il ne trahit pas. On dit, il n'y a pas de trahison, donc il ne trahit pas. Oui, il ne faut pas t'inquiéter. Et Dieu a fait que Didier n'est plus. Et ces gens-là, j'ai même pas vu quelqu'un. Toutes les promesses qu'ils ont fait là. Rien. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Donc, j'essaie de survivre à ma manière avec l'aide de Dieu. On se maintient. Non, mais il ne m'a pas dit le nom. C'est ça, s'il m'avait dit le nom, je pourrais, mais il ne m'a pas dit le nom. Il m'a dit, il y a un ministre qui veut te prendre. C'est-à-dire qu'il y a un ministre qui veut t'arracher à moi. Mais il ne faut pas partir. Reste avec moi. Le futur a commencé. Il y a bonheur devant. Donc reste avec moi. Mais il ne m'a pas dit le nom. Donc voilà. Je ne dis pas que... Il y a plein de gardes, il y a beaucoup de protocoles en Côte d'Ivoire ici. Mais si vous remarquez bien, quand les artistes internationaux viennent là, la majorité des temps, c'est moi qui me contacte pour faire la sécurité. Tu vois? En un mot, je suis un peu connu. Tu vois? Il n'est pas que si c'est ça, hein? Je suis un peu connu. Donc quand ces gens-là viennent, ils voyaient ma manière de travailler avec Didier en fait. Donc quand ils viennent, c'est la majorité, c'est moi que... C'est pourquoi vous me voyez beaucoup, les Sigi Diabaté, en tout cas les artistes qui viennent, vous allez me voir avec eux. C'est un peu ça. Je suis en contact avec sa maman, maman Tina, avec Carmen. Voilà. Ses amis. Bon. En tout cas, ceux qui me reconnaissent, eh vieux, vraiment Yako, voilà, vraiment courage, nous tous on a mal. Et bien sûr, pas te décourager, c'est la vie. Moi je pense que le soutien moral même c'est déjà bon. C'est ce qui fait que les gens ont cru qu'il y allait, non. Moral, même mon moral aussi là, c'est en acier. Voilà, je suis un garçon aussi, il faut qu'il ne m'aime pas. Voilà, donc là, avec l'aide de Dieu là, je suis là, ça ne bouge pas. Je voulais dire merci, grand merci à toute la Chine. Tu vois, ça fait qu'émotion quoi en fait que je parle. Parce que on a vu plein d'artistes ici qui sont morts et un mois après, c'est fini, on ne parle plus d'eux. Et quand moi je vois que les Chinois jusqu'à là, ils sont déterminés. C'est comme si Didier vivait en fait. Et moi particulièrement, moi ça me fait plaisir. Voilà pourquoi dans tous mes postes, tu vas voir que je suis toujours en train de remercier les Chinois. C'est pas au hasard en fait. Quand je vois, ils sont déterminés et ils nous soutiennent, tu vois, ils font des publications, ils envoient ces photos, ils publient tout, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour toujours honorer. Ou bien pour rendre immortel l'artiste, moi ça me fait plaisir. Donc je ne peux que dire merci aux Chinois de toujours continuer. J'ai appris que Universal va faire sortir bientôt c'est un album de Didier, tant mieux. Et aussi, il faut qu'ils bougent les fesses parce que là, Didier c'était un artiste, puis on savait combien de sons c'est qu'il a laissé.
Donc il faut que vraiment ces enfants sont là, il faut qu'ils en profitent. Faut pas qu'on garde tout au placard et puis on est là comme s'il n'y a rien. Les Chinois commencent à se plaindre, à résister les réseaux sociaux, vous allez voir. Voilà. Donc grand merci aux Chinois. Et je ne vais pas terminer sans demander à Dieu de prendre pitié de Didier. C'est que l'homme n'est pas Dieu, lui-même c'est que l'homme n'est pas parfait. C'est vrai que souvent il a commis certains actes, mais lui-même, Dieu lui-même c'est qu'il nous a créés, on n'est pas parfait. Donc qu'il prenne pitié de Didier pour que son âme puisse reposer en paix. Et puis voilà, que Dieu veille sur nous tous, qu'il veille sur ses enfants, son ex-femme, et puis bon voilà, sa maman, tout le monde. Voilà, et puis je voulais dire merci aussi à Badro, surtout merci à Badro qui fait tout pour maintenir aussi cette flamme que Didier avait déjà allumée en fait. Grand merci à Badro pour tout ce que tu fais pour la Chine. Voilà, merci beaucoup et puis voilà, bonne journée à vous.